Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, toujours autour d'Unity sur Linux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une application supplémentaire à un disque dur virtuel et déjà existant. Je vais prendre l'exemple d'ajouter Notepad++, donc sur mon installation d'Unity, parce que mon but c'est de pouvoir éditer certains scripts ou visualiser certains scripts sans passer par Momo par exemple. Et je trouve que c'est le meilleur exemple. Beaucoup de gens préfèrent utiliser un notepad simple que d'utiliser un peu des usines à gaz. Donc, je vais vous montrer comment installer dans un environnement virtuel Linux. Alors, à savoir déjà, chose assez importante, vous pouvez. C'est pas obligatoirement installer des applications. Vous pouvez installer des patchs, des outils supplémentaires par rapport à Unity. Si vous avez besoin de mettre des packs supplémentaires ou des automatismes, cette technique-là est utilisable. Alors, on va lancer Play on Linux sur votre disque. Alors, le mieux, c'est qu'on fait la partie configurée. Voilà, comme ça, on s'est sûr de ne pas tromper. Là, vous voyez, là pour l'instant, j'ai Momo Développement. Momo Develop et Unity 3D. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le disque, la grappe, on va dire, la grappe ici. On va faire divers. Lancer un exécutable dans ce disque. Ah, c'est exactement ce qu'il me faut. Je vais sélectionner MPP, Notepad++. On va attendre un peu. Voilà. Et là, vous voyez, il y a l'installation de Notepad++ qui va se lancer. On va dire français, on va dire qu'on veut l'installer, toujours dans le disque C. App, ça peut être les icônes, il faut éviter. On va vous embêter plutôt qu'autre chose, surtout que Play on Linux va recréer une icône après, pas sur le monsieur bureau. On peut le lancer, on peut toujours tester, voir s'il manque pas quelque chose. Et ça fonctionne bien. Si j'essaye d'ouvrir, alors aller dans documents, hop, voyez, je peux ouvrir sans trop me casser la tête. Donc là, voyez, c'est vraiment ce que j'ai de mon côté. Donc on va fermer. Et après, là, le souci que j'ai, c'est que vous voyez, là, il n'est pas reconnu. Donc je l'ai installé, mais il n'est pas reconnu. Vous ne pouvez pas lancer l'application toute seule. Pour ça, il y a une chose qui est encore très simple, c'est d'en générer, créer un nouveau raccourci depuis ce disque virtuel. Là, il va chercher toutes les applications qui sont installées dans le disque virtuel, donc ça peut prendre quelques secondes en fonction des applications. Allez, dépêche-toi. Et donc, après, ça vous permettra de créer une icône et lancer directement l'application sans, par exemple, lancer Unity. Si vous voulez juste faire la programmation, des fois, vous n'avez pas besoin de lancer obligatoirement Unity pour coder certaines choses, reprendre des codes. Donc là, ça vous permet de le faire sans trop de soucis. Autre petite chose, donc comme je vous avais dit, ça vous permet aussi d'appliquer des patchs. On va dire par exemple si vous venez de prendre un jeu, s'il y a besoin d'installer un patch dessus, il n'y a aucun souci. C'est juste que vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux icônes, mais vous faites exécuter l'exe, il va fonctionner normalement et après il n'y a aucun souci. Franchement, je vous dis, ça marche très bien, il n'y a pas de ça marche très bien. Le seul souci pour l'instant qui a été remonté avec Unity, je vous montrerai après. Bon, on va laisser tourner, on va le mettre dans un coin, on va le mettre là. L'autre chose qui m'a été remontée par rapport à Unity dans l'installation que j'ai, c'est le navigateur d'icônes qui a tendance à pas fonctionner correctement. Vous voyez, je vais mettre ça là. Et ici, à un moment, vous pouvez demander accept sort. Et cette fenêtre va tout simplement bugger. Il manque quelque chose. Un copain d'envoyer localistring not found. Donc je pense que il manque un petit truc.
Il manque un petit truc pour que ça fonctionne comme il faut. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à la donner dans le commentaire dans la vidéo, dans cette vidéo ou dans l'autre. L'idée principale, c'est d'avoir la solution. Et sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Là, ici, vous faites « Je ne veux pas nouvelle icône ». Hop. Et ici, on voit qu'il connaît maintenant Notepad plus. Donc après, l'avantage de la rajouter en raccourci, c'est que vous pouvez par exemple lui mettre des flags supplémentaires, des arguments supplémentaires. Vous pouvez lui ajouter un composant spécifique à cette application-là. Si vraiment cette application-là a besoin d'un truc spécifique pour marcher au mieux, vous pouvez le faire. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura permis de voir un peu plus au niveau de fonctionnement d'Unity sur Pléon Linux. Simplement avoir un peu plus d'informations au niveau de Pléon Linux. Parce que franchement, c'est un logiciel qui fonctionne bien, qui permet franchement des fois de sortir de l'impasse par rapport à certains jeux. Pour moi, dans mon cas, c'est vraiment par rapport à KSP, où j'arrive pas du tout à le faire fonctionner en environnement Linux. Et avec Win, bah, j'ai 90% du jeu qui fonctionne comme il faut. Il y a juste quelques effets graphiques qui ont tendance à pas vouloir se faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.